Et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo sur Planète Zoo. Alors oui, je sais, ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur YouTube. La dernière remonte au 15 juillet pour être exact, et c'était une vidéo de Planète Coaster. Pourquoi cette absence? Tout simplement parce que maintenant je travaille de chez moi, ce qui fait que j'ai très peu de temps en journée pour pouvoir jouer et faire du contenu pour YouTube. Cet été, la charge de travail a été plutôt conséquente. Je suis aussi parti en vacances, ce qui fait que le temps qui me restait pour jouer était très minime. Aujourd'hui, la charge de travail commence peu à peu à se réduire, ce qui fait que je commence à avoir un petit peu de temps pour pouvoir jouer et vous faire des vidéos sur YouTube. Donc je pense reprendre un rythme assez petit pour l'instant, à raison d'une vidéo, voire deux maxi par semaine, une vidéo de Planet Coaster et une vidéo de Planet Zoo. Sachant qu'actuellement je n'ai que deux projets sur ces deux jeux. Je vais très prochainement aussi lancer des lives. Alors je sais que ça fait un petit moment aussi que je vous en parle. Tout est prêt, la chaîne est créée, tout est en place. La seule chose qui me manque, c'est le temps pour le faire. Et ça, c'est un peu plus compliqué à voir malheureusement. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de vous proposer ça assez rapidement. Ce sera un live soit sur Planet Coaster, soit sur Planet Zoo. Je ne sais pas encore. Mais quoi qu'il en soit, vous serez averti sur les réseaux sociaux. Notamment sur Twitter et sur mon Discord lorsque je lancerai un live. Donc revenons maintenant à notre épisode d'aujourd'hui. Donc sur Planète Zoo, on revient sur le biodôme. Donc c'est le gros projet que j'ai actuellement sur Planète Zoo. Donc pour revenir brièvement sur le projet, ça va être un zoo complètement intérieur, à l'intérieur d'un bâtiment plutôt contemporain, avec certainement des espaces extérieurs pour les animaux. Je ne sais pas encore comment je vais travailler ça, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera essentiellement des petites espèces qui n'ont pas forcément besoin de gros enclos, puisque l'intérieur du dôme sera pas très grand, ce qui fait que les enclos seront plutôt petits. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais tout simplement finir le hall d'entrée rapidement en y mettant les tourniquets d'entrée qui permettront d'accéder au biodôme. Et je vais donc commencer le premier enclos qui sera l'enclos des bonobos. Donc vous allez voir, c'est quelque chose d'assez cubique, simple, très contemporain, très sombre. Je vais beaucoup utiliser le coloris noir pour les murs et les plafonds pour que les enclos puissent ressortir un maximum dans ce décor. Voilà pour aujourd'hui, je pense avoir fait le tour. En tout cas, j'espère que ce nouvel épisode vous plaira. N'hésitez pas à liker et à partager, comme vous le savez, ça fait toujours plaisir. À vous abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune notification de ma chaîne. Et quant à moi, je vous retrouverai pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!
Ooh.